voilà. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous détenez l'aigle du désert. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai aperçu quelque chose. Où donc? Juste ici sur la table. Bon, mais reprenons l'histoire. Bon, pour trouver des indices, il va falloir être plus malin que ça car on dirait qu'ils ont passé l'aspirateur. Ça a bien fonctionné, on dirait. Je tiens à vous remercier en vous offrant une chose que vous avez toujours recherchée. Une fraise peut-être. Des traces rouges, on ne doit pas être loin. Quand on pénètre chez quelqu'un par effraction, on peut s'attendre au pire. Il ne semblait pas avoir remarqué le... où il est le texte. Mais, avec quoi avez-vous me faire cette tache rouge sur mon pantalon? Cet objet qui est dans ma banane. Les enfants, au travers de l'histoire d'un grand homme, vous apprendrez pourquoi il ne faut jamais se montrer. Le colonel avait commis bien des crimes impunis, mais un beau jour, le fantôme du passé se présenta devant lui sous des traits insoupçonnés. Bah zut, je ne sais plus. Je voulais faire un truc. Ici même. Mais je n'aurais pas dû vous le dire. Alors vous allez baisser la tête et je vais vous aider à tout oublier tout. Ok? Ok. Pourquoi pas? On dirait bien que vous savez tout à mon sujet. Je suis désolé mais je vais devoir vous tuer. Avec des moyens extrêmement simples. Et l'histoire s'arrête là. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'il cherchait, en fait? Pendant ce récit, je vais vous demander de bien écouter et de déceler la petite incohérence qui s'y est glissée. Oui, on m'avait dit que vous étiez en vacances. Dans votre banane. Et voilà, un jour il a gagné les élections communales. Bon sang, mais qu'est-ce que je cherchais, en fait?
Vas-y, je ne sais plus. Je voulais faire un truc. Bon, pour trouver des indices, il va falloir être plus malin que ça car on dirait qu'ils ont passé l'aspirateur. 3 mois plus tard, la solution est de plus en plus évidente. Bon sang, mais qu'est-ce que je cherchais en fait? Que faites-vous ici? Mais, rien de spécial. Je me reposais, c'est tout. Oui. On m'avait dit que vous étiez en vacances. Ça a bien fonctionné, on dirait. Je tiens à vous remercier en vous offrant une chose que vous avez toujours recherchée. Buvez ceci. Des traces rouges. On ne doit pas être loin. Ah, vous voilà. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez emprisonné Frascolin quelque part. Ouah. Dans votre banane. Mais, avec quoi j'ai pu me faire cette tache rouge sur mon pantalon? Une fraise peut-être? Les enfants, au travers de l'histoire d'un grand homme, vous apprendrez pourquoi il ne faut jamais se montrer. Quand on pénètre chez quelqu'un par effraction, on peut s'attendre au pire. Je sais que vous détenez l'aigle du désert. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai aperçu quelque chose. Où donc? Quelque part sous la terre, je n'en dirai pas plus. Argh.
On dirait bien que vous savez tout à mon sujet. Je suis désolé, mais je vais devoir vous tuer. Avec des moyens extrêmement simples. Cet objet qui est dans ma banane. Pendant ce récit, je vais vous demander de bien écouter et de déceler la petite incohérence qui s'y est glissée. Le colonel avait commis bien des crimes impunis, mais un beau jour, le fantôme du passé se présenta devant lui sous des traits insoupçonnés. Il ne semblait pas avoir remarqué où il est le texte. Juste ici sur la table. Bon, mais reprenons l'histoire. Il était né en telle année, et là il est parti à Oran, il est parti au Maghreb, il est parti en Thaïlande, il est parti en Nouvelle-Calédonie, il est parti partout, il a fait son petit bonhomme de chemin et il a grandi le petit monsieur. C'est pas le tout de signer des passeports de... Enfin bref, on s'est compris, l'administratif c'est pas son truc. Il a vécu sa vie vraiment comme il l'entendait, malgré tous ses torts, tous ses travers. C'était un homme bon au fond, mais l'histoire n'est pas là. L'histoire n'est pas là et je tiens à le répéter. C'est une broutille par rapport à tout le reste. Et voilà, un jour il a gagné les élections communales. Mais l'histoire s'arrête là. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'il cherchait, en fait ? Que faites-vous ici? Mais, rien de spécial. Je me reposais, c'est tout. Je sais que vous avez emprisonné Frascolin quelque part. Quelque part sous la terre, je n'en dirai pas plus. Il était né en telle année, et là il est parti à Oran, il est parti au Maghreb, il est parti en Thaïlande, il est parti en Nouvelle-Calédonie, il est parti partout, il a fait son petit bonhomme de chemin et il a grandi le petit monsieur. C'est pas le tout de signer des passeports de... Enfin bref, on s'est compris, l'administratif c'est pas son truc, il a vécu sa vie vraiment comme il l'entendait, malgré tous ses torts, tous ses travers, c'était un homme bon au fond mais l'histoire n'est pas là, et je tiens à le répéter, c'est une broutille par rapport à tout le reste. Trois mois plus tard, la solution est de plus en plus évidente. Buvez ceci.